There's a fire that I won't slay. There's a fire, but no fire regained. Help our souls tonight. We are losing this fight. Oh, help our souls tonight. Is no one. Et salut tout le monde, Thunder Excel. Aujourd'hui on se retrouve pour la suite de The Refuge. Donc j'ai mis un peu de temps avant de sortir la vidéo parce que tout simplement j'ai une nouvelle config, j'espère que vous le voyez, c'est un peu plus fluide. Parce qu'avant c'était juste la mort, j'étais toujours en mode grosse PLS. Bon, j'ai remarqué quelque chose sur le toit, mais je regardais s'il faisait jour. J'aimerais bien me faire une pioche pour aller récupérer ce qu'il y a. Je vais vous montrer tout de suite. Il y a des panneaux photovoltaïques et une araignée aussi. Ça c'est un peu moins cool. Allez, viens ici petite araignée. Ah, pas envie. Allez viens, je t'attends. Ah, pas envie de venir. Elle est où? Bon, tant pis. Donc la dernière fois, je me rappelle plus sur quoi on s'était laissé. On s'était laissé, il me semble. Ici, oui, je venais de faire les sites de call. Donc, quand on va dans The Lab, on peut faire différents mélanges. Donc, je pense que là, j'étais en train de faire celui de l'iron. Attendez, je vais vous dire ça tout de suite. Iron seeds. Donc les Iron Seeds, ce qui se font entre du Quartz. Ah non, j'étais en train de faire les Quartz Seeds, parce que c'est le mélange entre le Coal et les Carottes. Et après, quand j'aurai le Quartz, tout simplement, je pourrai faire l'Iron. Et j'ai déjà prévu une petite zone pour farmer tout ça. Donc je viendrai tout mettre ici, ce sera plus simple. Bon, je vais commencer à farmer tout ça, et on se retrouve plus tard. Et re tout le monde, en regardant mon bouquin de 4, j'ai remarqué qu'il fallait faire la Wuthering Can. Donc j'ai regardé, donc la vide forcément. Donc j'ai regardé, hop, elle est juste ici, voilà. Et en fait le craft est pas si compliqué. Donc j'ai été chercher un peu de bois, j'ai fait cuire de la pierre, ce que je savais. Et normalement, non, c'est vrai que ça va pas aller si je fais pas... le bol en bois en premier, hop, comme ceci. Hein? Attendez. Il y a un souci. Comment on craft le... d'accord, on le fait avec des slabs. Tout va bien. Je suis trop habitué au vanilla. Hop, ensuite on fait la watering can. Voilà. Elle est vide, donc on va aller tester l'efficacité tout de suite. En même temps, j'ai commencé à farmer à gauche et à droite. Ils m'ont encore fait des carottes parce que c'est un craft ultra relou à faire. Hop, voilà. Et on va descendre ici. Donc ici, j'ai commencé à faire 2-3 petits mélanges, comme vous pouvez le voir. Elle est remplie. Ah oui, c'est bon, elle est remplie. Et on fait comment? Voilà. Ah ouais, ça pousse un peu plus vite quand même, faut l'avouer. Bon, on va essayer de faire... ah, voilà. Là, ça grandit bien. Voilà. Donc, juste ici derrière, on m'avait demandé aussi de faire des salt sealed. Donc, c'est du blé avec du charbon, ce que j'ai fait. Je vais aussi faire pousser plus rapidement... Je vais faire ça aussi. Comme ça, je me ferai pas avoir. Je me demande si ça fait pousser plus vite ici aussi. Ça, ah oui, si, quand même. C'est bon, les deux sont matures. Non, pas celui-ci. Voilà, les deux sont matures. Donc, ce qu'on va faire, c'est laisser pousser encore une fois. Et on se retrouve une fois que j'ai quelque chose d'intéressant à vous montrer. Avant tout, je viens de déverrouiller la 4, j'ai oublié de vous le montrer. Ça m'a débloqué une hache et des corn seeds. Des corn seeds, on va en voir tout de suite l'utilité. On peut faire du popcorn, forcément. Ça sert juste à faire du popcorn.
Je vais essayer de le planter et après je vais voir ce que je peux en faire. Bon, on se retrouve tout à l'heure. Et re tout le monde, donc j'ai un peu progressé ici. Donc ici j'ai eu les salts et ici j'ai eu les quartz seeds. Donc ici je suis en train de faire le croisement pour avoir justement les iron seeds. Et je viens de me fail parce que ce n'est pas ça que je devais mettre. Attendez, hein. Iron, c'est quartz et coal. Donc ceci est un bon gros fail. J'étais là en train de me demander pourquoi ça veut pas fonctionner, pourquoi j'ai toujours un différent, mais en même temps c'est normal. Si je mets déjà pas le bon à la base. Bon, on va le faire pousser un peu plus rapidement. Bon, il va pousser. On va compléter les achievements. Donc, on a eu le salt, on a le choix entre du salt et un reward bag. Attendez, je regarde juste à quoi peut me servir le salt. Voilà. Salt. Donc, il peut servir à faire du cheese, des blocs de salt. Bah en fait, il sert principalement à faire de la nourriture. Ah ouais, clairement, c'est juste de la nourriture qui permet de nous faire, lui. Qu'est-ce que c'est, ça? Zombie jerky. Ah, ça pourrait être intéressant plus tard. Bon, ici, on va déjà prendre ça, un reward bag, et l'autre, du quartz. Je sais pas à quoi il peut nous servir, le quartz. Attendez, ici. Ah, on peut faire ça. Ah. On peut faire un stuff en quartz. Enfin, je vais avoir l'iron. Ouais, ça reviendra un peu cher, le solar generator. Bon, il y a plein de trucs, mais de toute façon, je vais faire des champs dans cette pièce-ci. J'ai déjà commencé à faire ici. Donc, on va faire aussi ça. On va regarder ce qu'on a obtenu. Bon, c'est déjà bien. Et une tête de joueur. Bon, ce sera la tête. Ce sera sa tête ici, voilà. Bon, je continue à faire mes croisements. Ouais. Attendez, je fais pousser ça et on se retrouve tout à l'heure, ben, quand j'aurai de nouveau bien progressé. Et re tout le monde, donc voilà, j'ai enfin terminé, j'ai enfin l'Iron Seed, ce qui fait vraiment du bien. Ce qu'on va faire, c'est l'analyser. D'abord, claim la quête. Hop, voilà. Donc, ce qui nous permet de faire pas mal de trucs. Bon, là, je prends direct l'Iron, clairement. Donc, on pourra commencer à faire des croisements encore plus complexes. Ça, je vais les faire en off pour le prochain épisode. Parce que ici, bah, comme vous voyez, il y a plein de seeds qu'on peut faire. Et justement, ce que j'ai envie de faire, bah, justement, il me le demande, c'est de faire un furnace generator, le furnace generator. Je regardais pas celui-là, moi. Bah voilà, is 2. C'est 3 fours, 4 d'iron. Ah, mais attendez, je peux le faire. On va le faire tout de suite ensemble. Hop. Table de craft, elle est en bas. Normalement, je devrais avoir. Oui. Voilà, c'est parfait ça. Hop. Tant pis pour le stuff en métal. Aujourd'hui, il me faut clairement de quoi rallumer la machine et récupérer. Enfin, le plaid en tout cas. Et de récupérer mon stuff que j'ai mis dedans. Parce que là, franchement, c'est un gros problème que j'ai. C'est que je sais pas récupérer mon stuff. Et ben, j'en ai besoin de ce stuff quand même. Je sais plus ce que j'ai mis dedans depuis le temps, mais j'en ai vraiment besoin. D'accord. Ensuite, c'était ça. Ça. Attendez, hein, que je. Ah, il me faut un tin-ingot. Mais j'en ai un tin-ingot. Ouh, ça c'est la perfection, vous avez vu ça? Hop, voilà. Et maintenant on aura de quoi rallumer le plaid. Ce qui va faire clairement plaisir parce que. La fec? Et quoi? Je fais comment là?
Ah voilà, c'est bon, j'ai eu peur là. Donc normalement dans le furnace generator on doit mettre un combustible, excusez-moi je me perds dans mes mots. Qu'est-ce que j'ai comme combustible ici? Je dois avoir des planches qui traînent et des bûches de bois. Attendez, j'ai des planches. Et j'ai encore un peu d'iron ici. Ah bah décidément, je découvre mon chez-moi. Ça, on l'utilisera plus tard. Ça, hop. Et je fais une petite ellipse parce que on m'appelle. Et heureux tout le monde, donc j'ai j'ai fait ma petite ellipse un peu longue quand même. Ce qu'on va faire, c'est je vais faire cuire un peu de bois parce que je serais plus tenté d'avoir du charcoal pour faire démarrer ça. Voilà, et ce que je pourrais faire aussi, hop, c'est faire un petit coffre pour mettre tout mon bordel. Même plusieurs petits coffres, attendez. Hop, deux, c'est déjà ça. Hop. Voilà. Comme ça. Donc maintenant on peut ranger plus ou moins tout ce qu'on a. Ça, je vais garder pour manger. Hop. J'ai dit que je gardais ça aussi. Ça, je vais garder parce que j'en aurai besoin juste après. Voilà. Donc, on va manger une petite carotte. Non, une petite pomme. Le temps que je range tout ceci. Ouais, voilà. J'espère que je vais pouvoir redémarrer le Plaid. Est-ce que ça démarre? Tout ce que je sais, c'est que ça fait énormément de bruit et que ça me gênait rien. Ah, c'est en AE. Bon, tant pis. Ça a pas redémarré mon upload. Ouais, tant pis, hein, c'est pas grave. Je m'occuperai, j'essaierai d'aller récupérer les panneaux solaires là-haut. Et essayer de tout ramener ici dans la salle. Je pense pas qu'on soit trop au niveau du sol. Je pense qu'il y a clairement moyen de ramener ça. Et en plus, qu'il y a des câbles qui traînent là-haut. Je sais plus où on en était. Ah bah oui. Essence of coal, je vais en avoir tout plein. Hop. Diamond chisel. Ouais, vite fait quoi. Des rubber saplings, ça pourrait être intéressant. Oui. Ah oui. Le harvester, comment il se fabrique? Un harvester, attendez, hein. Donc il me faut du style du tin, ouais. Bon, ça, je pense que je vais commencer à farmer tout doucement tous les minerais. Comme ça, j'aurai toutes les graines et tout ça. Et je propose qu'on se retrouve au prochain épisode. Comme ça, bah, j'aurai le temps de bien progresser sur tout ce qu'on a ici. Je ferai des champs, d'iron seeds et tout ça. Et ben, on se retrouve lundi prochain pour un prochain épisode, normalement sans faute. Bon, ça reste du normalement. Mais ça devrait bientôt arriver, je vais essayer quand même de ramener les câbles là-haut. Et on se retrouve la semaine prochaine. Salut tout le monde!